إن الحمد لله، الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، نرجع إلى حديث النصيحة لرسول الله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي كما قلنا سابقا في البعد الأول لهذه العلاقة محبته صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عنها، ثم اتباعه صلى الله عليه وسلم، وقد فصلنا ذلك فيما يتعلق بعبادته، وبقي لنا أن نتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومهمته. Alors on va revenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à reprendre nos discours concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la bonne exhortation, al-nasiha, et on est au niveau de al-nasiha vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé auparavant de la première dimension de cette nasiha vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam, et puis de le considérer comme un modèle à suivre. Alors on a parlé de le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans son adoration. Alors aujourd'hui on va s'arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans sa moralité, la moralité prophétique. سأركز اليوم على أمر مهم، وخاصة قد تناوله الإعلام خلال هذه المحنة التي مررنا منها. Et aujourd'hui, je veux pointer un sujet qui est très important. Je vais essayer de l'éclaircir. Parce que durant cette épreuve qu'on a subie durant les deux semaines dernières, j'étais beaucoup provoqué par rapport à cette tradition prophétique, à ces dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a essayé de manipuler. Et notre mission, alhamdulillah rabbil alamin, c'est d'éclaircir notre position et la position des savants de l'islam dans cela. Awalan, al-qa'ida al-qur'aniya allati shamilat وجمع فيها القرآن الكريم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. La première chose, la règle coranique qui nous englobe, si on peut dire, et qui résume la mission de notre bien-aimé Mohammed صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un seul verset, il nous a résumé, si on peut dire, la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Anbiya, l'ayah 107, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Ça, c'est la ligne droite. Ça, c'est le résumé. Dans le chapitre des prophètes, le chapitre 21, le verset 107, Allah nous donne cette ligne. Certes, on t'a envoyé une miséricorde à tout l'univers. Alors la règle principale, c'est
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde envoyée à tout l'univers. C'est pas seulement aux musulmans et aux croyants et à ses compagnons. Non, à tout l'univers. Tous les mondes ont profité de la miséricorde. Et le prophète a été envoyé comme miséricorde. Wa huwa alladhi yaqulu sallallahu alayhi wa sallam innama ana rahmatul muhdat. Dans un hadith authentique, le prophète dit « Je suis qu'une miséricorde offerte à tout le monde, à tout l'univers. » Mais malheureusement, certains polémistes essaient de faire croire aux gens que l'islam ordonne de combattre toute l'humanité, sans exception, en mettant en avant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, il y en a toujours qui cherchent, comme ils disent en arabe, à pêcher dans le sale. Cherchent. Mais alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Nous, comme on a dit toujours, on n'a rien à cacher. On va analyser le hadith, hein, le fameux hadith soi-disant, qui ordonne de combattre tous les non-musulmans. On va l'analyser dans toutes les dimensions, pour que déjà les musulmans eux-mêmes le comprennent, pour ne pas l'utiliser mal, et ceux qui cherchent la vérité parmi les non-musulmans, qui comprennent les dires du prophète et les versets coraniques dans leur sens et dans leur contexte et leur objectif. Alors, le hadith nous dit, d'ailleurs hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari Muslim, à travers Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, Anas et d'autres. Nabi Sallam nous dit « Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah » Al-Hadith. Alors le Hadith nous dit quoi? Hadith authentique, comme je dis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son messager, et puis accomplir la prière, acquitter les zakat et ainsi de suite, les pays de l'islam. Ce qui nous intéresse surtout, il nous met toujours sur le nez ce hadith. Vous parlez de la tolérance de l'islam, vous parlez de la douceur de l'islam, vous parlez de la liberté de croire, et regardez ce qu'il vit de votre prophète. Oui, bien sûr, notre prophète a bien dit ce hadith. On ne peut pas nier le hadith, il est authentique. Je ne veux pas être dans le clan de ceux qui cherchent à soi-disant peut-être le hadith est faible. Non, le hadith est authentique. Mais, qui est la vraie? C'est quoi la vraie interprétation du hadith? Le contexte des paroles prononcées par le prophète, c'est quoi le contexte? Les gens considérés dans le hadith, c'est quoi? C'est ça qui est important à savoir. C'est vrai, le hadith, il est là. Alors, si on veut vraiment détailler les paroles du hadith, regardez. Au mérito, quand on dit « il m'a été ordonné », qu'est-ce qu'on va comprendre? La première chose, « il m'a été ordonné », ça veut dire « j'étais interdit ». Et maintenant, « il m'a été ordonné ». Comment ça, le prophète, il a été interdit de combattre? Maintenant, ça lui a été autorisé, même ordonné de combattre. Bien. Alors, on doit comprendre. C'est quand ça lui a été interdit, et c'est quand il a reçu l'ordre de combattre. On ne parle pas de ça. On lit le hadith et c'est bon. Pour qu'on puisse comprendre le hadith, il faut... C'est vrai que le prophète, il a été interdit de combattre, de même se défendre à la période de Mécoise. Les compagnons, le prophète, il a été torturé, il a été insulté. Les compagnons, ils ont été assassinés devant ses yeux et devant les yeux de leur famille. Pendant la période du miroir, et les compagnons viennent voir le prophète. Tout le prophète, est-ce qu'on va subir cette torture jusqu'à quand? Le prophète, il a dit, j'ai pas encore reçu l'ordre. Même de se défendre. Toute la période du miroir, c'est passé comme ça pendant 13 ans. Ils ont subi tout ce que vous connaissez de la biographie et de l'histoire de l'islam. Pendant 13 ans. Et quand il est parti à Médine, il a installé à Médine, comme on avait dit,
Un régime, un nouveau régime basé sur la justice, sur la fraternité, sur l'unité, sur la solidarité, tout ce qu'on avait dit auparavant. À ce moment-là, ceux qui continuent toujours à déclarer la guerre, ils viennent aussi le suivre à Médine. Ils viennent aussi le combattre à Médine. Et la première rencontre, c'était la bataille de Badr. Ils viennent pour éliminer encore. Ils n'ont pas resté. Ils ont dit, c'est bon, il faut l'éliminer. À ce moment-là, il a reçu l'ordre. Non, ça y est. C'est fini. On ne va plus se laisser faire. On ne va plus subir le... On est organisé maintenant. On a un territoire. On doit se défendre. On ne va pas se laisser faire. C'est là où le prophète a dit, maintenant, il m'a été ordonné de combattre les gens. Il m'a été ordonné. Regardez le verbe ici. Le hadith, il n'a pas dit Omerna. Il a dit il m'a été ordonné. Il n'a pas dit il nous a été ordonné. C'est le prophète qui a reçu l'ordre. Ce n'est pas la Ummah qui a reçu l'ordre. Les savants disent tant que c'est le prophète qui a reçu l'ordre, alors l'ordre est adressé au chef. Ce n'est pas aux individus. C'est le chef. Le prophète, il a reçu l'ordre autant que chef, autant que guide, autant que président de la République, autant que responsable. C'est lui qui déclare la guerre. Et c'est lui qui cesse la guerre. Alors, l'ordre, il est toujours ordonné à celui qui remplace ce chef. L'ordre, il n'est pas aux individus. Ce n'est pas nous qui avons reçu l'ordre de combattre les gens. Voilà une autre dimension qui est très importante. On ne la prend pas en considération. Ce qui veut dire que la guerre, si il doit être déclaré, ce n'est pas les individus de la Ummah qui déclarent. C'est le chef de la Ummah qui déclare et qui cesse la guerre. Ça concerne l'autorité, ce n'est pas les individus. Pas dit à la préfecture de tuer les gens en prenant ce hadith parce qu'il m'a été ordonné. C'est qui c'est toi? Tu as le prophète? Il t'a ordonné? Très bien. Je défais maintenant les mots de hadith. Alors, il m'a été ordonné. On a parlé du contexte. On m'a parlé du verbe qui est conjugué, qui s'adressait à autorité. De combattre. Il y a bien une différence entre combattre et tuer. C'est quoi la différence entre combattre et tuer? Le prophète, il m'a dit, « Lam yaqul umirtu an aqtul annas. » Il a dit, « Umirtu an uqatil. » Il m'uqatala, c'est combattre. Ça veut dire combattre. Si je veux me combattre avec toi, je dois t'avertir, tu es, on va se combattre. Ou bien si tu viens m'agresser, je me combats avec toi, je me défends. Mais si je veux te tuer, je veux te poignarder derrière ton dos. C'est pas combattre. Tuer, c'est pas combattre. Assassiner, c'est pas combattre. Alors le prophète, quand il a dit, il m'a été ordonné de combattre, ça veut dire, au moment de la guerre, c'est là où il y a le combat. Il n'a pas envoyé ses compagnons en cachette pour tuer les Mécois à la Mecque. Vous voyez maintenant, quand on commence à défaire les termes de hadith, ça commence à être beaucoup plus clair. Maintenant, les gens. Il m'a été ordonné de combattre les gens. C'est qui les gens? Le terme les gens, Annas, fil l'aura, c'est quoi? وهذا ما صدره أقول قبلي وصلت الله الرحيم الحمد لله يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في وسيل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أما بعد الناس dans le hadith أمرت أن أقاتل الناس savez-vous je suis toujours quelqu'un qui interdit à qui que ce soit maintenant je veux changer un petit peu la formule. J'interdis à quelqu'un qui va lire le Coran ou qui va lire un hadith du prophète de faire sa propre interprétation. Ce n'est pas le moyen, les moyens et les éléments de l'interprétation. Auparavant, je disais, j'interdis d'offrir un Coran traduit en français à un nouveau musulman. Parce qu'il va lire un verset, il va nous faire tout un
Un désordre. Je dis maintenant, les savants, c'est pas moi d'ailleurs, les savants interdisent à même un musulman qu'il est l'arabe, hein, qu'il est le Coran, de se faire sa propre interprétation. Vous lisez là, le Coran en arabe, la plupart de vous. Personne n'a le droit de faire sa propre interprétation du hadith et des versets du coranique si il n'a pas les moyens, s'il n'a pas la science, s'il ne connaît pas la langue arabe et ses synonymes et son bagage, s'il ne connaît pas les hadiths aux alentours du verset ou d'autres versets. Après, je vous donne des exemples. Maintenant, regardez les gens dans ce hadith, ne serait-ce que ce hadith. C'est qui les gens? Il m'a été ordonné de combattre les gens. On a parlé du maire, on a parlé de l'autorité, on a parlé de combattre. Maintenant, les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire le prophète par les gens? Il peut dire, mais tous les gens. À part ce que le hadith a mis en bas. À part ceux qui attestent qu'il existe de Dieu. Ça veut dire tous les gens à part les musulmans. Ça, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur à dire. Pourquoi? C'est qui va nous expliquer, ça veut dire quoi les gens? Manu Mounas. Le prophète lui-même. Le prophète lui-même. Sans rentrer apparemment. Hein? C'est que je vous donne le terme Annas dans le Coran. C'est pour ça, soyez très vigilants. Hein? Et ceux qui cherchent la vérité, soyez un petit peu vigilants aussi de ne pas accuser les salafs de n'importe quoi. Le terme, le mot dans le Coran et le mot dans les dires du prophète, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas un terme qui signifie ce qui est écrit littéralement. Non. Écoutez bien ce verset dans le chapitre Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ahzab, il dit: "Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum." Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum. Ya dunnas. Ceux à qui les gens, ils ont dit que les gens, ils se sont regroupés contre vous. Qui sont les gens qui ont dit à quoi comme à qui comme gens? Si tu ne connais pas la raison de la révélation, tu ne vas pas comprendre ce verset. C'est qui ces gens-là? Et savez-vous les premiers gens? C'est une seule personne, Nu'aym ibn Mas'ud. Une seule. Allah, il l'a considéré dans le verset comme un nas, une seule. C'est Nu'aym ibn Mas'ud à qui une seule personne a dit, Abu Sufyan a dit à Nu'aym ibn Mas'ud, fais tromper les gens, les musulmans, hein, pour ne pas rentrer dans la guerre. Vous avez vu maintenant le nas comme ça? Alors, qui sont les nas dans le Coran? On va voir là, c'est bon. Si on dit que, à part les musulmans, pour ça en tout cas, l'imam Ibn Taymiyyah, et surtout j'étais beaucoup accusé, ça est bon, il y a des commentaires et des journalistes qui m'ont accusé de parler d'Ibn Taymiyyah. Parce qu'apparemment, ils considèrent Ibn Taymiyyah, c'est la référence du djihadiste. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah à ceux qui croient Ibn Taymiyyah, c'est la révérence des djihadistes parce que il y en a qui ne comprennent pas malheureusement Ibn Taymiyyah, ce grand savant. Ibn Taymiyyah, il dit, cela se réfère à combattre ceux qui engagent une guerre contre les musulmans, à qui Dieu nous a permis de les combattre, ceci ne se réfère pas contre ceux qui ont une alliance avec nous, à qui Dieu nous commande d'accomplir notre engagement envers eux. L'ouvrage 19, la page 20. Vous avez entendu Ibn Taymiyyah, qui est la référence du djihadiste, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que les gens, hein, se réfèrent pour les gens qui déclarent la guerre contre nous. Mais ceux avec eux, hein, on a une alliance, on doit respecter l'engagement avec eux. C'est pour ça, tout court, je vous résume, tout court, parce que le temps ça passe, tout court.
Si on dit que tous les gens, à part les musulmans, alors il reste les juifs, les chrétiens, les associateurs, les mosdians et les athées. Bien. Est-ce que vous croyez que l'islam, il va nous autoriser à se marier avec une juive ou une chrétienne et puis la combattre? Dans le Coran, c'est clair qu'un musulman peut se marier avec une chrétienne et une juive. Il n'a pas, il ne doit pas lui imposer l'islam. Il peut avoir des enfants avec elle et il peut rester, elle, à vie, chrétienne ni juive, sans embrasser l'islam. Il n'a pas à l'imposer. Et le hadith, il nous dit, il faut tuer ceux qui n'attestent pas qu'il n'existe de Dieu que Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on va partager l'amour avec une femme, mais je dois la tuer s'il dort? C'est quoi cette compréhension? Très bien. Si le prophète a dit ce hadith, pourquoi il n'a pas appliqué? Selon la compréhension de ceux qui croient que l'islam est venu pour combattre les gens. Pourquoi il n'a pas tué les juifs de Médine? Pourquoi il n'a pas tué les chrétiens de Najran qui sont venus à la mosquée du prophète? Ils ont même prié, il leur a ouvert la mosquée, il a discuté avec eux. Le prophète, il avait... Hein? Et pourquoi le Coran nous a autorisé de manger la nourriture des gens qui ont le livre avant nous? On va manger leur nourriture, on va les tuer. C'est quoi cette compréhension maladroite? Maintenant, on a dit, ben c'est bon, on va dire que les musulmans et les chrétiens et les juifs, parce qu'ils ont le livre avant nous, on ne va pas les tuer. Il n'y a pas de souci. Alors, il reste les associateurs. Très bien. Bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la première guerre qui est Badr, c'est eux qui ont quitté leur territoire, mais la Mecque, ils sont venus à Badr. Ils ont combattu le prophète. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu. Il a gagné. Il avait emprisonné combien? On avait parlé de Bayt al-Bayt. Il avait emprisonné 70. Et ceux qui fuient, le prophète leur a dit non, ne les suivez pas, laissez-les. Ils sont partis, laissez-les. Les 70, il les a tués, le prophète. Il ne les a pas tués. Il leur a proposé deux choses. Deux choses. Hein? Soit vous embrassez l'islam, et vous êtes comme nous. Hein? Soit vous payez votre liberté. Et celui qui n'a pas de quoi payer sa liberté, il enseigne 10 jeunes parmi les musulmans à les réécrire. Il est libre. Il revient chez lui s'il ne veut pas devenir musulman. Le prophète, il a trahi ses propos alors. Il n'a pas tué les associateurs. Quand le prophète est parti à la Mecque, pour finir avec cela, avec des soldats, 10 000, il a libéré la Mecque, il a cassé les statues. Qu'est-ce qu'il a dit avant de rentrer? Man dakhala dara Abu Sufyan fa huwa amin. ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل بيت الحرام فهو آمن. Celui qui rentrait chez lui, il est en sécurité. Celui qui rentre chez l'amir, chez Abu Sufyan, il est en sécurité. Celui, il n'a pas dit celui qui embrasse l'islam, il est en sécurité. Il n'aura pas encore imposé l'islam. Après qu'il s'est installé à la Mecque quelques jours, en fait, il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez que je fasse de vous? Ils ont des fils généreux, frères généreux, fils d'un généreux. En fait, il ne les a pas tués. Il leur a dit, vous êtes libres. Et d'abord, va donc tolaqa. Alors, on va mettre ce hadith où alors? Le hadith lui-même, le prophète, il n'a même pas fait ce qu'il a dit. Non, le prophète, il a fait ce qu'il a dit. Mais c'est nous qui ne comprenons pas ce qu'il a dit. Alors voilà le sens du hadith d'Ahmad al-Kara. La guerre est déclarée contre ceux qui viennent nous tuer pour se défendre. Mais nous, on ne déclare jamais la guerre contre qui que ce soit, parce que même Dieu l'a dit, « La ikraha fid din », opposé à une simple lecture de ce hadith. Il ne serait-ce que ce verset-là. « La ikraha fid din », nulle contrainte de la religion. Il est opposé à une simple lecture de ce hadith. C'est pour ça, s'il vous plaît. Et s'il s'agit des musulmans, nos... Donnez pas cette autorité avant même de comprendre un texte coranique ou un hadith prophétique si vous n'avez pas un bagage et un cursus scientifique de la théologie et la loi canonique musulmane. Et ceux parmi les non-musulmans qui cherchent la vérité, moi personnellement, je l'ai déjà dit, je leur ai dit dans les coulisses immédiates, Wallah, je mets un haut défi ici, ils vont l'écouter.
je les mets au défi à faire un débat télévisé, à ramener tous les textes soi-disant qui appellent à la violence de le Coran et de la Sunna, et je serai capable, Inch'Allah, de leur montrer leur sens. Mais à être clair et net, ramène ton bagage et je te donne mon bagage. Et si tu cherches à comprendre l'histoire et la vraie interprétation des textes, lui, j'attends votre réponse. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة بمسلميها وغير مسلميها. اللهم اجعلنا فيها يا رب العالمين الإيمان والتقوى والخير والبركات. إنك نعم المولى ونعم النصير. وسل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.